Bienvenue à tous sur la chaîne de Papy Tractor Gaming où je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo du preview gameplay sorti pour la Gamescom 2020 portant sur le nouveau DLC Alpine Farming Expansion de Farming Simulator 19 qui devrait sortir le 12 novembre sur tous les supports. Nous commençons tout d'abord avec la toute nouvelle map Erlengrat, qui est complètement inspiré des Alpes européennes, suisses, etc. et qui est absolument magnifique. Donc c'est une map qui a l'air assez grande, qui a beaucoup de fonctionnalités, des endroits complètement différents, un peu de ville, de la montagne, des champs très vallonnés. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ça et on se revoit un petit peu plus tard. Et des fonctionnalités inédites sur cette map, en tout cas par rapport aux maps de base, pas les maps modées, hein, c'est la possibilité de fabriquer des produits tels que le fromage ou le chocolat. Nous allons commencer avec le premier véhicule qui est un petit tracteur Rigitrac électrique, le SKE50 électrique, donc premier tracteur électrique de Farming Simulator 19, pour une puissance de 68 chevaux et une vitesse maximum de 40 km/h. Nous voyons maintenant un autre tracteur Rigitrac, pas électrique cette fois-ci, le SKH75, qui lui a une puissance de 110 chevaux, pour une vitesse maximum de 40 km/h également.
Nous attelons ensuite la faucheuse Sepp Knüsel F240 qui a une puissance requise de 40 chevaux pour une largeur de travail de 2,4 mètres. Nous passons désormais au semoir Pottinger Lyon 303 plus ARSM 3002 qui a une puissance requise de 165 chevaux pour 3 mètres de travail et 1250 litres de semences. Et pour cela, nous avons besoin d'un tracteur un peu plus puissant, toujours Rigitrack, toujours petit tracteur, mais le SKH 150 de 150 chevaux pour 40 km/h. Et apparemment, ces 150 chevaux sont tout à fait suffisant pour ce semoir. Avec la venue de ce tracteur Rigitrack électrique, nous avons dorénavant une station de recharge pour pouvoir tout simplement remplir les batteries et pouvoir repartir sans problème. Le Rigitrack classique a aussi une fonction de suspension vraiment individualisée au niveau de chaque roue, mais aussi entre le moteur et la cabine, comme on peut le voir ici. Il possède aussi un système de roues différentiel au niveau de la direction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir et tourner toutes les roues en même temps ou indépendamment tourner les roues arrière ou les roues avant dans un sens ou dans le sens opposé, ce qui permet des démarches crabes ou alors d'avoir un angle de braquage vraiment plus petit. Nous pouvons voir sur ce Rigitrack 150 un ensemble de faucheuses Pottinger papillons composées de la Nova 4301 Alpha Mention nécessitant 60 chevaux et avec une largeur de travail de 3,1 mètres sur le devant et à l'arrière la Nova Disc 812 nécessitant 90 chevaux et une largeur de travail de 8,1 mètres. Ici, nous avons le Rigitrack SKH75 tractant une charrue Pottinger Servo 25 qui
qui nécessite une puissance de 85 chevaux et qui a une largeur de travail toute petite de 1,2 m. Nous passons désormais au nouveau tracteur Lindner Lintrac 130 qui lui possède 136 chevaux pour une vitesse maximum de 50 km/h. Il pousse derrière lui une chargeuse Pottinger Faro 410D qui a besoin d'une puissance de 130 chevaux et qui a une capacité de 26 000 litres.
Vous découvrez maintenant ce petit tracteur sans cabine Burer 6105 qui a une puissance de 100 chevaux et une vitesse de 32 km/h. Ce tracteur tire derrière lui une andaineuse Pottinger Top 612C qui a une puissance requise de 50 chevaux et une largeur de travail de 5,9 mètres. Nous passons maintenant alors à un tracteur John Deere qui ne fait pas partie de ce DLC. Il est uniquement montré ici car il en a besoin pour pouvoir tirer l'enrubanneuse Pottinger, tous les tracteurs étant présents dans le DLC n'étant pas assez puissants. Cette enrubanneuse Pottinger, il s'agit de l'Impress 125 FC Pro qui a besoin de 160 chevaux. Très jolie, je trouve, ça change un petit peu de celle qu'on a dans le jeu pour l'instant, et même si on doit s'arrêter pour libérer la balle pour pouvoir l'enrubanner, eh bien l'avantage qui est plutôt sympa, c'est que la balle est posée non pas sur le côté rond mais sur le plat, ce qui permet dans des maps et des champs vallonnés comme nous pouvons trouver ici, eh bien de ne pas avoir une balle qui dégringole tout le long du champ. Nous avons ici un autre petit tracteur, le tracteur AEB TT281+, qui a une puissance de 109 chevaux pour 40 km/h et qui a devant lui un petit andaineur SIP Favorite 254, ne nécessitant que 20 chevaux et ayant une largeur de travail de 2,5 mètres. Et un andaineur qui se pose devant, c'est pas très courant et ça permet quand même de cumuler différents équipements à l'avant et à l'arrière.
toujours avec le tracteur AEB, mais cette fois-ci avec des roues en configuration duale. Nous avons l'Andener SIP R300F Alp, qui, comme vous avez pu le voir, nous pouvons le faire coulisser à droite et gauche pour pouvoir bien vous calibrer sur votre andin. Cet Andener a une puissance requise de 100 chevaux et une largeur de travail de 3,5 mètres. Vous pouvez également voir que sur le tracteur AEB, nous avons le même système de direction différenciée avec un blocage selon nos désirs entre les roues avant et les roues arrière qui sont toutes directionnelles et qui peuvent être bloquées ou débloquées pour pouvoir rouler en crabe ou alors pour avoir un angle de braquage amélioré. Toutes ces situations-là étant bien sûr très avantageuses lorsqu'on est sur des éléments pentus comme sur ce pré. Également, cet Andener SIP, on va avoir la possibilité de venir créer notre andin à droite ou à gauche du tracteur. Ici, nous avons une faucheuse très particulière AEB et une faucheuse poussée manuellement, comme vous pouvez le voir, la AEB CC66, qui a une puissance tout juste de 18 chevaux, qui a une vitesse de 9 km/h et une largeur de travail de 2 mètres. Elle a été tout spécialement pensée pour pouvoir travailler sur des terrains très pentus, comme on peut le voir ici, où on a un problème suivant nos véhicules. Et nous voilà enfin avec le dernier véhicule de notre vidéo, le camion modulable Lindner Unitrack 122 L-Drive qui possède une puissance de 122 chevaux et a une vitesse maximale de 40 km/h. Ici, ce petit camion modulable possède la chargeuse Luond Swiss Elite S31 qui a une capacité de 12 000 litres. Nous revoilà cette fois-ci avec un module d'épandeur à fumier Stöckl,
d'une capacité de 3400 litres avec une largeur de travail de 12 mètres. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran à l'intérieur, l'arrière passe de rouge à une autre couleur, indiquant que nous avons bien récupéré notre module. Et enfin, le dernier module de ce camion Linder, la cuve Alizier Agrar ADF 3200, qui a une largeur de travail de 10 mètres et une capacité de 3200 litres. Et bien voilà, j'espère que vous avez pu un peu mieux découvrir tout ce qui va sortir lors du DLC Alpine Farming Expansion, qui honnêtement me fait bien envie et je suis bien content d'avoir le Season Pass sur la PS4. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à toutes mes vidéos et à ne pas oublier de faire sonner cette petite cloche. Allez, à la prochaine !